Congo les bananes. Azeli kanisi ya malamu puna kosepelisa banambuka Kongo. Kongo lipanda, Azeli libango, Kongo lipanda, paninga. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Point de Vie, bonjour et merci de nous recevoir. Ce soir, par rapport à notre émission Point de Vie, Lelo Toyambi Basali Nzambe, par rapport à l'émission Lelo Toyambi Pasteur Kass, na frères et Kwele, tous de l'église primitive, Lelo Tozolobela, la réalité Ozoleka Lelo na quatre églises Yahweh, est-ce que c'est vrai ou faux qu'il y a 1963, c'était la fin du ministère Yafrère Branham, Torolobelango Lelo, est-ce que les sept tonnerres est révélé vrai ou faux, Torolobelango Lelo? Beaucoup de questions par rapport à l'émission passée. Auto Mbaki Pasteur Kass, mais le lot Mbaki si le sous invité Moussousou, le lot dans la possible la vérité par rapport à éclaircissement et à parole de Dieu, par rapport à vérité où ils ont dérangé le lobby sur la quatre évangiles. Bozo benga biso à travers le monde, ban à Canada, bo benga ki, ban États-Unis d'Amérique, bo benga ki, ya Hollande, bo benga ki. Par rapport à l'émission, nous avons tout le monde sur le site internet, tout le monde sur les réseaux sociaux. Nous avons tout le monde sur la chaîne, il y a Kinshasa, la République démocratique du Congo, l'air est coquille, la vérité est coquille. Ceux qui ont des propos, nous sommes sur le serviteur de Dieu, nous allons tenir les lois de ranger. Ah, tout le monde a à débattre, nous avons des frères, nous avons des explications concernant le plan spirituel et que mon gouna a côté dans le lobby. Il y a toujours le bel à discuter les lois. Papa, casse, shalom. Shalom frère. Frère, c'est quoi le shalom? Shalom. Bonne santé à l'église et puis santé à la famille. Non, la santé de la famille, ça va par la grâce du Seigneur. Santé de l'église du Seigneur. Les alliés du malam, le banaye, au les alliés pour persécution. Santé. Santé à ma casse. Pour la personne, ça va. Très bien. Très écoute les bonnes santé et puis santé à la famille. Santé et la famille, j'allais très bien. Surtout, famille, il y a mes limons, quand il y a les choux, à ma chère, j'allais très très bien. Parce que toujours propre, quand il y a les limons. Oui, mon salut, pour les natales, les bisous, les natales, les soukas. Très bien. J'espère que vous avez une présentation et vous avez invité tous les gens à la plateau à l'élo. Première question. Et pas à Pasteur Kass. Pasteur Kass, est-ce que l'église aujourd'hui est en guerre avec le faux prédicateur? Ah, mais la vraie église ne peut qu'être en guerre contre les faux prédicateurs, c'est-à-dire tous ceux qui prêchent faussement. Ils ne viennent pas de la part du Seigneur. Et la vraie église, elle devait être en guerre contre ces esprits. Parce que c'est pour cela qu'elle a été établie sur la terre pour recevoir la révélation divine et avoir la compréhension aussi du mystère de Satan à travers ces sujets. Donc, tout le système dénominationnel, c'est le lieu de Satan pour se faire confirmer, pour se faire voir, pour tenter encore de séduire la vraie Église. Donc, la vraie Église est toujours en guerre. Si elle n'est pas en guerre, ce n'est pas l'Église. Très bien. Par rapport d'abord à la définition de l'Église, beaucoup de téléspectateurs ont posé des questions. La définition d'une vraie Église, c'est quoi d'abord l'Église? Et l'Église, à quelle mission, à quel rôle? Le mot Église, d'après les Saintes Écritures, vient de l'hébreu. Parce que l'Église a commencé avec les Hébreux, que ce soit dans la Genèse, que ce soit dans l'Ancien Testament. Et la manifestation finale dans le Nouveau Testament, c'est le mot Keila ou Kahala. Ça veut dire la grande assemblée de ceux que Elohim a appelés au dehors pour leur faire entendre le message divin. Donc, sans message divin, sans un appel à sortir, on n'a pas affaire à l'assemblée du Seigneur, on n'a pas affaire à l'Église.
Donc, c'est le Seigneur qui appelle par la voix d'un vrai prophète. Et puis les gens obéissent à l'appel, quittent le mauvais milieu dénominationnel. Dans la Bible, nous avons cette représentation. Babylone, l'Église doit quitter Babylone. Le peuple doit sortir de Babylone. Le peuple doit sortir de l'Égypte pour se constituer un nouveau peuple dédié pour la grâce de Dieu. Après que le Seigneur donne maintenant le message. C'est pour ça que les enfants d'Israël, en Égypte, ils ne pouvaient pas être l'Église, sur l'Église. Non. C'était mélangé, dominé par quelqu'un d'autre, soit pasteur, pharaon. Mais lorsque le temps était là de pouvoir confirmer les Écritures promises, Elohim a envoyé d'abord un vrai prophète, le ministère, avec un message. Sortez comme ça, je vous parle, comme ça je vais vous sanctifier. Ils sont sortis, c'est au désert qu'ils sont devenus l'Ecclésia, Kehila, l'assemblée appelée à sortir au dehors par le Seigneur. Alors, il a commencé à donner son message. Ils ont 19, 30. C'est là qu'il a commencé à donner le message de tournant nombre lévitique. Ça, c'est le message du peuple d'Israël. Parce que c'était son ecclésia. L'église servait, en français, c'est l'assemblée. En hébreu, c'est Kehila. Donc là où Dieu ne parle pas, là, par exemple, aujourd'hui, le message est rejeté par les uns et les autres. Ça, on ne peut pas parler de l'église. L'église, c'est là où les gens sont assis dans le respect, au bas de la montagne sainte. Pour écouter ce que Dieu veut dire. Dieu a dit. C'est ça l'Église. Très bien. Le frère Zegwele, par rapport à la définition d'Otto Gapa Frère Kass, quelle est la mission de l'Église et le rôle de l'Église? Voilà. La mission de l'Église a été donnée par le Seigneur lui-même avant qu'il puisse s'envoler pour entrer au ciel. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant, baptiser ceux qui auront cru, après avoir entendu la parole d'appel, comme le pasteur vient de dire, car appeler, ordonner, toutes les confusions, toutes les dénominations, après avoir entendu cette parole, ceux qui croient, doivent être baptisés conformément aux Saintes Écritures dans le nom de Yeshua Hamashiach. Et que ces gens puissent persévérer dans l'enseignement donné par le Seigneur lui-même jusqu'à ce qu'ils puissent lui-même venir prendre le fils. C'est leur rôle. Allez, prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu révélée, écrite. Non pas les pensées de Dieu, ni de considérations théologiques, mais ça peut. Très bien, c'est son nom. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tu es un biba serviteur de Dieu Mibale, le frère Kass et le frère Zegwele. Nabango, tu as discuté par rapport à rôle, puis mission et église, et quelques réalités où tout le monde a l'élo dans quatre églises, au Yombo, Kanabiso, Isako, la Kisabiso, numéro Nabiso et émission, et Yango, on les a affichés, c'est le plus 243. 89 00 60 149 plus 243 89 00 60 63 pardon 149 0 89 00 60 149 sur vos anakin kassa au bengi biso par rapport à l'émission de l'eau frère Kass téléspectateur bah bengi par rapport à l'émission et l'équipe bah lobby vision à frère Kass et autres mingi mingi contre l'église catholique. Et nous avons une banque qui a été en question de l'ONU. Nous avons évité ma campagne d'Italie politique, mais les téléspectateurs ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Vérité, ils ont été en train. Est-ce que c'est vrai, dans le message de l'Église, le ministère à Frère Branham et Soukaki en 1963, qui était le prophète William Branham? Le frère William Marlon Branham était un homme, un Américain, qui a accompli les écritures qui se trouvent dans Joël chapitre 2, verset 25, il avait un ministère pour le rétablissement de toutes choses dans l'Église. Il avait aussi
le ministère de Malachi au chapitre 4, depuis le verset 5 jusqu'au verset 6, c'est la partie B. Il était donc l'Élie promis pour le temps de la fin, pour donner l'appel au peuple qui se trouvait dans les dénominations toutes, pour le faire sortir, exactement comme Moïse avait été envoyé pour faire sortir le peuple de l'Égypte afin de se constituer un peuple saint qui devait recevoir la révélation en ce temps-là et aller finalement dans la terre promise que le peuple ne connaissait pas, sinon historiquement pas. William Branham a accompli le ministère de Malachi 4, verset 5. Élie est envoyé pour nous ramener aux enseignements des Saintes Écritures, bref, à la foi de nos pères, les saints apôtres et les saints prophètes, pour nous ramener aux Saintes Écritures. Son ministère a commencé dès que l'ange du Seigneur l'a visité, lorsqu'il baptisait la rivière Ohio, en Dieu fait son pays. Il a dit, demain que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, toi tu auras un message qui va préparer le retour du Seigneur ou la seconde venue. J'ai même devant moi une brochure intitulée La seconde venue du Seigneur. Plusieurs fois il a prêché sur la seconde venue du Seigneur. Il en a parlé aussi lors de l'étude de ce après le 28 février 63, date qui est utilisée par les faux frères, les faux prophètes, qui trompent les gens, Jésus est déjà venu. Donc, son ministère a commencé même peu avant 1933. Et il a continué jusque le 24 décembre 65, au moment où il a connu l'accident sur la route, alors qu'il quittait l'Arizona pour Dieu fait son pays, afin de prêcher sur la trace du serpent. Il a fait combien d'années dans le ministère, le frère William Branham? Plus de 30 ans, parce qu'il a commencé, disons, quand je disais de l'évoquer en 33, c'est là que l'ange est venu en présence de plus de 4000 personnes, de 14 ans, pour lui dire ça. Est-ce que c'est si vrai? Si vous pouvez calculer, c'est plus de 30 ans. 33 ou 31, 32. Est-ce que c'est vrai ce que Dioka a dit que le ministère... L'âge que j'ai aussi dans le ministère. Oui. Est-ce que c'est vrai lorsque Dioka dit que le ministère de Frère Branham avait pris fin à 1963? Ce n'est pas vrai. Parce que Frère Branham a continué son puissant ministère d'ailleurs. C'est depuis 1963, ça ne pouvait pas être à la fin, mais le commencement d'un puissant ministère en tant que révélateur de Saintes Écritures. C'est là que le message avait commencé à être donné. Comment il peut tromper les gens qui l'écoutent? Et le ministère de Frère Branham avait pris fin en 63. Non, en 63, c'était le commencement d'un nouveau ministère. Dans la vision qu'il avait eue chez lui à Dieu fait son Dieu, il a vu trois groupes d'oiseaux qui le visitaient. Le premier groupe était des petits oiseaux, c'était le premier ministère, lui en tant qu'évangéliste. Le deuxième groupe d'oiseaux, un peu plus grand, il a dit c'était des colombes. C'était la représentation de mon deuxième ministère, toujours en tant qu'évangéliste. Maintenant, troisièmement, ce n'était plus des oiseaux, mais des anges. Il a vu sept anges qui venaient en sa direction. Mais les anges étaient précédés d'un grand coup de tonnerre. Lui pensait que cela allait l'emporter dans la mort. Et comme l'interprétation de la vision ne lui était pas donnée sur le champ, il s'inquiétait beaucoup, il a dit à sa femme, bon, arrangez-vous, moi je pense que c'est fini pour moi, je vais mourir. Et lorsqu'il est allé prier dans le Sabino Canyon, le Seigneur lui a dit, il ne s'agit pas de la fin, mais il s'agit maintenant de l'ouverture de la Bible. C'est maintenant que la parole de Dieu va être donnée, elle va être ouverte pour toi. Le message divin dont j'avais toujours parlé, c'est maintenant. Alors, il est retourné chez lui, il a corrigé aussi. Il a dit ça ne concernait pas vraiment. Mais la suite ou la poursuite de mon ministère qui change maintenant de face. Parce qu'avant, c'était la prophétie. Ensuite, c'était le discernement des pensées. C'est ce que beaucoup imitent ici. Quand ils pouvaient connaître les secrets qui se cachaient dans le cœur, les noms des personnes, même les adresses précises. C'était le deuxième ministère. Maintenant, le troisième. Et le véritable ministère du prophète,
pour lequel il est envoyé aller. C'est l'ouverture de la Bible. Par l'ouverture de cette somme. Va commencer en 63, au mois de mars. Très bien. Le frère Zegodé, est-ce que c'est vrai ou faux que les sept tonnerres aient révélé? Oui, c'est un problème qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Conformément à ce que le frère Zegodé dit, les rôles de la mission principale de notre frère William Marion Brannan, c'était de nous ramener à la parole écrite, la parole qui a toujours été. Dans cette parole, il a été dit à l'écrivain Yohanan que seul ce qu'on dit, les sept tonnerres, et ne les écrit pas. Comment on peut connaître quelque chose, on peut révéler quelque chose qui n'a pas été écrit? La révélation n'est révélation que lorsqu'elle part de la parole écrite, des choses écrites. Mais expliqué, c'est-à-dire rendu clair. Or, les sept tonnerres ne font pas partie de l'écriture, alors on ne peut pas parler de sa révélation. Donc les sept tonnerres n'est pas révélé. Les sept tonnerres ne sont pas révélés. Alors, parler de la révélation des sept tonnerres, c'est aller au-delà de ce qui est écrit. Et la Bible nous dit clairement que celui qui va au-delà de ce qui est écrit, il n'a ni le Père ni le Fils. Donc, les sept tonnerres, au clair, ne sont pas révélés à leur Bible. Comment nous, les chrétiens, nous pouvons aujourd'hui protéger les noms du Seigneur? Protéger les noms du Seigneur? Oui. Nous pouvons protéger les noms du Seigneur en prenant toujours comme point de départ retour aux Écritures Saintes, retour à la Bible. Lorsqu'on retourne à la Bible, on garde les choses telles qu'elles étaient conçues véritablement, authentiquement, alors là, on a la certitude. Pour le faire, Dieu envoie toujours une personne. Parce que Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé ses serviteurs, ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors, lorsqu'il les révèle, et les véritables enfants de Dieu prennent ces révélations conformément à la Bible, l'entière, la Bible tout entière, et les programmes vont de la Bible. Très bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est votre émission 38 minutes de vérité avec le frère Cass et le frère Zogwele, les lotoro, tout n'abandon ma solo et qu'on dérange. Pour que vous puissiez bisoper vérité, pour que vous puissiez bisoper intelligence par rapport à l'émission à l'eau. Fracasse, hier à l'église, vous avez parlé que les démons sont intelligents. Est-ce que dans l'église dédiée, les démons peuvent être intelligents, peuvent opérer et séduire les, nous les chrétiens au sein de l'église? Mais oui, il est dit du serpent qu'il était l'animal le plus rusé. C'est comme ça que par sa ruse, il est parvenu à séduire Ève. Les démons sont intelligents et très intelligents même. Mais le Seigneur aussi ne prend pas dans son ministère ce genre de personnes. Frère Branham a insisté, il dit, remarquez dans la Bible, les serviteurs du Seigneur, c'était des êtres, les hommes les plus humbles. Ils ne cherchaient pas à avoir beaucoup de connaissances comme nous le remarquons aujourd'hui. Il y a des théologiens qui sont même des docteurs en philosophie et lettres, ainsi de suite. Et non, les serviteurs de Dieu, c'est pas ça. Si vous regardez dans l'Église catholique, par exemple, tous les prêtres sont intelligents. Mais de l'intelligence du bon Dieu. Mais ils ne sont pas intelligents pour les choses de Dieu parce qu'ils ne connaissent ni le nom de Dieu, ni qui est Dieu, ni comment baptiser. Ils ne comprennent rien des Saintes Écritures. Ils sont intelligents pour traduire la Bible et falsifier. Ils ont l'intelligence maligne. Le diable aussi, il est intelligent. Très bien. Parce que dans de l'eau. Il y a un pasteur trop bien à évêque à comboter pour éviter le polémique. À Salissi école du Saint-Esprit. Est-ce qu'une personne ou un homme de Dieu, un prédicateur, a le droit à ce don-là, il y a pour enseigner qui est le Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit peut opérer? On ne peut pas voir ce genre de choses parce que, comme je le disais, les serviteurs du Seigneur sont très préoccupés à transmettre la connaissance par la révélation. Ils savent aussi que les gens sont appelés par élection. Ils ne peuvent pas faire de l'école, ça c'est pour tromper. On ne voit pas ça dans les Saintes Écritures.
L'école, c'est l'église. C'est dans l'église que tout le monde reçoit l'enseignement par les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Il y a des enseignants dans l'église qu'on appelle les docteurs. Il y a des évangélistes. C'est tout. Tout le monde reçoit le même enseignement dans l'ecclésia, dans la grande guilde. Mais faire une école appelée l'école du Saint-Esprit. Là où on transmet l'onction du Saint-Esprit. C'est pour tromper. Oui. C'est Satan. C'est Satan. Premièrement, on ne peut pas dire voilà le lieu où se transmet l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est reçu par ceux qui obéissent à la parole de vérité, qui est venu à travers un ministère prophétique. En tout temps, ça a toujours été ainsi. Avant la première venue du Seigneur Yeshua, il avait envoyé un homme, pas une école de théologie, pas un groupe de personnes, un homme. Jean 1er, verset 6. Il eut un homme envoyé de Dieu, selon les théories. Il vint pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui avaient refusé d'écouter ce prophète, cet humble prophète, qui n'avait jamais été à l'école, ne pouvaient pas avoir le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas être conduits par le Saint-Esprit. Quand Yeshua a commencé son ministère, il a condamné tous ceux qui avaient rejeté le ministère de Yohanan Hamad, il a appelé Jean-Baptiste. Et il a dit, vous donc, le dessein de Yahweh Elohim a été rendu nul. Lorsque vous rejetez un vrai prophète, aujourd'hui comme frère Bernard, c'est fini. Tout ce que vous faites, c'est un travail qui vous à l'échec. Parce que mais nous sommes dans un pays laïc. Le Seigneur ne viendra jamais dans votre vie. Nous sommes dans un pays laïc. On ne peut jamais accepter un prophète comme ça pour accepter. Non. Un pays laïc, ça signifie. Est-ce que c'est une obligation, l'élo, l'église, nous ne pas accepter le prophète William Brown? Non, obligation pour tous les élus. Les élus, s'ils veulent recevoir la parole, sont obligés d'aller auprès du prophète. Parce que la parole, disent les saints écritures, ne vient pas aux théologiens ni à la théologie. La parole vient au prophète. Le Seigneur ne peut rien faire sur la terre s'il faut commencer, il ne l'a pas révélé à ses serviteurs qui sont des prophètes. Aujourd'hui, il y a un seul prophète. Thierry Osborne l'a reconnu, Billy Graham l'a reconnu. C'est William Branham. C'est lui qui est venu avec un réveil donc, mondial. C'est lui qui a ramené. Il a essayé de ramener les gens aux Saintes Écritures. Et beaucoup l'ont rejeté. Et même ceux qui pensent l'avoir reçu n'ont pas reçu son ministère de prophète. Pour être ramené aux Saintes Écritures, par exemple, quand il enseigne que le septième son n'est pas révélé, les sept honnêtes ne sont pas révélés non plus, il ramène les gens à l'Écriture, à la Bible. La Bible dit pour le septième son, voilà quelque chose que personne ne connaît, ni au ciel, ni sur la terre, sauf Elohim. Jésus-Christ, c'est lui qui dit Matthieu 24, 36, même le Fils ne connaît pas. Mais aujourd'hui, vous avez des gens sur la terre qui pensent connaître plus que Jésus-Christ. Ça, c'est un démon. Ce sont des diables. Ces gens-là sont des diables. Donc aujourd'hui, au sein de l'Église, il y a des diables. Oui, il y a des diables. Tous ceux qui croient que les sept nés sont révélés sont des démons. Tous ceux qui rejettent la grande révélation sur le mariage et les divorces, qui est un enseignement réfutu puissamment du sol, ainsi dit le Seigneur. Le prophète a dit, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui est venu m'instruire chez moi. Il m'a donné aussi l'instruction sur la dernière partie, sur le pardon, au sujet de ceux qui ont commis adultère sans le savoir. Suis-la maintenant. Mais quelqu'un qui est sur la terre qui les jette sa sœur, mais c'est le diable. C'est pour ça que j'ai dit que tous les enfants de frères Branham sont des diables, les hommes. Les frères ici qui sont à Riguinia, ce sont des démons. Pourquoi ne pas conduire les gens aux eaux paisibles de la santé? Pourquoi éloigner les gens de la vérité? Ce qui n'est pas révélé, c'est là où ils vont se baser pour dire que c'est révélé. Et ils trompent les gens. Ce qui est révélé, ils ne s'approchent même pas. Ils éloignent les gens en disant ce n'est pas la vérité. Donc, ce sont des démons. Merci. Le frère Zagolé, est-ce qu'aujourd'hui le nom de Jésus-Christ est mal défini? Oui, dans tout ce qui se dit église, ils ne connaissent pas. Même le nom, c'est le commencement de toutes choses. Notre bien-aimé frère Branham nous a dit les noms originaux d'origine de l'église. Le nom de Yeshua Hamashiach. Yahweh libérateur dans un continent, c'est notre peuple aujourd'hui. Mais beaucoup l'ont combattu, mais après, il adopte par formalité pour plaire aux gens, mais ça devait venir comme le prophète l'a dit, au temps de la fin, Dieu va susciter des ministères. Un ministère qui aura comme préoccupation de nous ramener à ces choses telles que cela est écrit dans les Saintes Écritures.
Alors, ces noms ne sont même pas connus. Comme le frère l'a dit, les catholiques, par exemple, ils ne connaissent même pas les noms. Ils baptisent, ils disent. Mais les catholiques aujourd'hui, ils ont la mission, parce que les lobes défendent le peuple congolais. Non, ils défendent le peuple congolais, mais nous, nous défendons la parole. Nous nous défendons la parole et non le peuple congolais. C'est la mission de l'Église. Aller faire de toutes les nations des disciples. Et les disciples de qui? De Yeshua, Hamashiach. Donc, même Yeshua lui-même, le patron de l'Église, il, de son vivant ici sur la terre, il n'avait pas organisé quelque chose comme des marches pour aller combattre l'empereur romain. Le peuple israélien était sous la domination romaine. La véritable Église, le patron, n'a jamais ordonné une quelconque marche contre les envahisseurs, les dominateurs de l'époque. Très bien. Ça, c'est notre, ce ne sont que des païens qui trompent les gens que nous sommes l'Église, qui peuvent organiser de telles marches. Mais la véritable Église, son combat, c'est de ramener les gens à la parole pour le salut de leurs âmes. C'est ça la mission de l'Église, la véritable. Fracasse. Sur le plan spirituel et sur le plan biblique, est-ce que les marches sont autorisées sur le plan biblique et sur le plan spirituel? Mais moi, je fais la marche ce matin. Je marche presque chaque jour. Marche sur la qui n'a ton wale le zaki pour au défendre de nani pour le ton d'autonomo. Pour la santé. Oui. Mais lorsque maintenant l'Église catholique a télémis à l'obit que le peuple faut se soulever, est-ce que ça a la signification sur le plan spirituel et sur le plan biblique? Aucune signification. C'est la révolte. C'est le banditisme. Ça montre bien que ce n'est pas l'Église, mais un groupe de prière. Un groupe organisé pour conquérir le pouvoir. D'après les prophéties des Saintes Écritures, les catholiques vont avoir le pouvoir mondial pendant une heure. C'est écrit où? Apocalypse 17. Que les gens qui nous suivent lisent Apocalypse 17. Apocalypse 18. Le Seigneur, là, il parle vertement, il concerne la fausse Église, le catholicisme. C'est la véritable fausse Église. Ce n'est pas, elle n'est pas appelée dans la Bible par le Seigneur, l'Église, mais la grande prostituée. Une prostituée qui vit dans le bar spirituel, qui fait la débauche, commet l'adultère avec des rois de la paix. Le combat là, c'est contre Jésus. Ce n'est pas contre les prédicateurs, ni contre les fausses, mais combattre les chefs. Ils veulent que les chefs les épousent. C'est ça. C'est tout. On va organiser les élections dans notre pays. Est-ce que ça regarde les chrétiens ou l'Église? Ils vont se débaucher là-bas pour dire, vous ne vous en faites pas. Nous, nous allons vous aider pour les élections. Nous allons vous donner quelqu'un qui va faire les élections, conduire. Est-ce que ça, c'est le rôle de l'Église? Donc, vous interdisez aujourd'hui aux hommes dédiés de faire la politique? Mais les vrais hommes dédiés, on ne peut même pas leur interdire. Ils le savent tout naturellement. Comme un être humain sait que on ne doit pas se couper les jambes, on ne peut pas se couper les bras. Quelqu'un qui naît, il sait ça. Mais aucun homme de Dieu qui est né dans le royaume de Dieu, il sait qu'il est contre le monde. Parce qu'il n'est plus dans le monde. Le monde, c'est quoi? Mais c'est la politique. Comment vous définissez la politique, vous, étant intellectuel? L'art de faire les concessions. Et c'est ça la vérité. Et ils veulent s'entendre, au lieu de prier pour eux, comme la Bible dit, on les appelle, venez, nous allons vous diriger. Comme ça, vous allez vous entendre. Vous allez faire la politique sous nos yeux. Vous allez vous partager le pouvoir sous nos yeux. Venez discuter sous nos yeux. Nous allons conduire ça. Ça, c'est la débauche. C'est ça, la prostitution. Le Seigneur, on voulait faire de lui le roi. Il a fait. Il a dit clairement, mon royaume n'est pas d'ici là. On lui a dit, tu es roi. Il dit, je suis roi. Mais ce n'est pas pour te faire à toi, héros de la guerre. Continue ton pouvoir, fais ce que tu veux, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, les chrétiens auraient combattu pour moi. Est-ce que vous savez que même les vrais chrétiens ne peuvent même pas voter? Ils ont le droit de refuser de voter. Comment ça? Mais il y a
la prévoyance d'abstention. Donc le vrai chrétien aujourd'hui, bah, quoi, de voter, t'es n'est pas organisé l'élection des rois. Moi, je n'ai jamais voté. Mais vous, carte d'électeur. Mais carte d'électeur, c'est la carte de citoyen. Oui. Donc vous vous êtes enrôlé, mais pour nos photos. Je me suis fait enrôler. Oui. Parce que c'est une obligation. Oui. Mais pour aller voter, à la poste, c'est obligation. Pour vous les chrétiens, pour nous les chrétiens, qu'on vote, c'est obligation. Vous allez obligé. Vous n'êtes pas obligé. Très bien. Frère Zégolé, est-ce que Jésus avait fait la politique aussi? Jésus. Bien sûr, ça sera politique. Jésus ne pouvait pas faire la politique. C'est comme les jours et la nuit. Ce sont des choses diamétralement opposées. Mais on peut trouver les enfants de Dieu dans le gouvernement, les institutions publiques. À cause de même, Dieu peut bénir autre chose. Mais ils ne sont pas dans l'art de compromission. Ils évitent ça. Ils ne peuvent pas compromettre. Ils sont là, la lumière, parce que cette lumière doit se trouver dans toutes les couches pour éclairer le monde. Comme le frère venait de vous dire, mais le royaume est ici. Nous, on a prié pour les autorités, nous nous limitons là-bas. Nous, on ne peut pas organiser maintenant les marches pour aller les déboulonner, pour aller les remplacer, afin d'obéir au dictat de l'Église catholique. C'est ce que les véritables enfants de Dieu ne peuvent pas le faire. On a dû prier pour que Dieu donne aux magistrats, aux autorités établies. On se limite là-bas. Mais quant à ce qui concerne, comme le frère a dit, faire la politique, créer des partis politiques, aller faire des compromissions, non. Faire couler le sang. Faire couler le sang. L'Église ne peut pas faire ça. Non, jamais. On fait sortir les gens de soi-disant cathédrale, ce qu'ils appellent cathédrale. On les fait marcher. Et ils trouvent la mort. Au nom de qui? Qui a déjà fait ça dans la Bible? Qui a déjà fait? Le Seigneur lui-même. Alors c'est... que le Seigneur Jésus avait chassé les gens dans les temples. C'était pas la politique. C'était des gens comme eux. C'était des gens comme les catholiques. Parce qu'ils viennent pour le commerce. Ils viennent pour l'argent, ils ne viennent pas pour les âmes. Aucun catholique n'est sauvé aujourd'hui où je vous parle, en tant que catholique. Ah, personne. C'est la vérité. Aucun n'est pardonné aujourd'hui où je vous parle. Depuis le pape jusqu'au dernier baptisé d'hier, on les trompe de la naissance à la mort. Et on leur parle du purgatoire. Mensonge sur mensonge, sorcellerie sur sorcellerie. Quand vous voyez aujourd'hui l'Église du Congo, qu'est-ce que vous détestez, pasteur? Laquelle? Laquelle? Vous parlez de laquelle? Quand vous voyez aujourd'hui, oui, l'église du Congo, l'église Nakati à Congo, tant que le monde a l'église Nakati, et c'est l'église catholique, et c'est l'église des réveils, non. Et c'est l'église primitive, et là on y est aux Oboya. Il y a trois sortes d'églises. Il y a la vraie église qui est l'église, qui croit toujours en bien, qui grandit spirituellement. Grâce à elle, la nation connaît la vérité. Grâce à l'église primitive, la nation congolaise est informée. Nous avons les émissions à la télévision. C'est notre amour envers notre pays. Nous avons enseigné la divinité, le baptême et tout, jusqu'à dévoiler le grand sujet sur le mariage de l'église. Où il y a beaucoup des incompréhensions par rapport au mariage et le divorce. Tous ceux qui n'acceptent pas le mariage et le divorce ne sont pas l'église. Je sais bien. Ce sont des fausses églises. Maintenant, dans le champ, le grand champ des fausses églises, vous avez fait deux sections. Il y a les vrais incrédules opposés à la Bible, aux enseignements de la Bible. Chez les catholiques, il y avait déjà eu une papesse qui a dirigé cette affaire, une femme. Aujourd'hui, chez les protestants, il y a des évêques femmes. Chez les pentecôtistes, les femmes prêchent, là n'en parlons même pas. Et puis, il y a des choses de réveil qui sont entre les deux, qui essaient d'imiter. Donc, le pasteur Cass est interdit aux femmes de prêcher. La Bible est la parole de Dieu. Dieu interdit aux femmes de prêcher. Dieu n'a jamais eu une femme prédicateur. Ça ne peut pas exister. Parce que c'est à cause d'une femme qu'aujourd'hui d'ailleurs il y a la politique. C'est la femme qui avait accepté un homme qui n'était pas le mari, l'adultère. Et c'est ce que l'Église catholique fait. Elle accepte les papes. Les papes, vous savez qui sont les papes? C'est les saints-pères. Les papes, le Saint-Père, il prend d'abord il prend le temps de prier pour ton pays, le Congo, votre pays, le Congo. Les papes, quelque chose au ça l'a raté. Les papes sont des empereurs romains. Si tu ne le savais pas. On les accueille pas comme des hommes de Dieu. On les accueille comme des rois.
sur tapis rouge. Quel est le président qui peut résister devant lui? C'est lui. C'est lui qui représente tous les pouvoirs diaboliques sur la terre. Mais c'est le Saint-Père, n'oubliez pas que c'est le Saint-Père. Chez les catholiques, il n'y a aucun saint. Selon les principes même de cette association mensongère, avant de devenir saint, il faut d'abord passer par la mort. Et puis il faut qu'on vienne maintenant examiner votre vie passée. Donc si la terre actuellement, la moutre, chez les catholiques, il n'y en a pas. Donc le pape est un faux saint, d'après leur propre esprit. Merci. Mais moi je suis saint. Merci. Lui il est saint. Oui. Le message du temps de la fin, à quel objectif? Et nous chitons directement par rapport à ces grandes conférences qui va commencer le 18 ici à l'église primitive. Le message du temps de la fin, c'est pour quel objectif? L'objectif principal du message du temps de la fin, c'est de sortir les gens de l'erreur, de la confusion, de la tromperie. Quelqu'un a même écrit les églises traditionnelles ou l'église catholique, vérité ou tromperie. Il a dit, c'est une grande tromperie de Satan sur la terre. Je vous dis, aucun n'est pardonné de la bataille. Il faut dépenser beaucoup d'argent pour espérer avoir le pain. Personne n'est saint là-dedans. Il faut après la mort. Et les gens qui sont sanctifiés, je crois, il n'y a que les qui sont rendus saints par le pape. Vraiment de la démonologie devant les gens. Mais dans l'église primitive où nous sommes, les saints étaient vivants. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous avons la vérité. Donc l'objectif, c'est de faire sortir les gens du chaos, de la falsification, de la tromperie à tous les niveaux. Pour les ramener à l'absolu de la Bible. Les gens, vous savez pas que les catholiques ont tué, d'après ce qu'ils ont avancé même comme chiffre, 68 millions de vrais protestants parce qu'ils lisaient la Bible. C'est pour la libération du peuple. Parce qu'ils lisaient la Bible. Mais c'est pour la libération du peuple. Aujourd'hui, le combat de l'église politique, le combat aujourd'hui de l'église catholique, c'est pour la libération du peuple. Il faut même appeler ça église politique. Il faut appeler ça église politique. De l'église catholique. Parce que les catholiques sont nés avec la politique. Leur premier chef, c'était Constantin. C'était un empereur politicien. Pas de conversion, rien. Pas la connaissance de la Bible, rien. Politicien. Et puis il est devenu chef. Il est empereur là-bas. Et puis il dirige l'église ici. C'était à ce moment-là que la France église s'était mariée. Maintenant, les catholiques, c'était l'église de l'État. Vous ne voyez pas qu'elle domine. Nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot par rapport aux conférences qui va commencer. Sortez de Babylone, venez. Vous êtes prédicateurs, venez vous associer à nous. Nous aurons des moments bénis de la conférence. Vous assisterez à la conférence telle qu'elle s'était déroulée dans les Saintes Écritures, acte 2, et avant aussi, et par la suite. Vous verrez comment les gens apprennent à connaître la vérité. Les questions sont posées, pas de troubles. Donc, nous vous invitons. Si vous êtes à Kinshasa, venez. La nourriture sera gratuite, mais vous irez dormir. Quelle nourriture? Vous irez dormir. Spirituelle ou... La nourriture matérielle. Oui. Parce que quand vous réunissez les gens, il faut aussi les respecter. Il faut savoir les nourrir comme le Seigneur. Il a appelé les gens. Les gens le suivaient, mais il les a nourris aussi. Nous n'avons pas les dons de miracle, mais on mangera du pain. Nous sommes à côté de la boulangerie Pain Victoire. Le Seigneur a mis ça ici, juste à côté de chez nous. Donc, avec du pain, nous pouvons être à mesure de nourrir même 100 personnes, sans difficulté. Il bénira. Donc, nous allons aborder la grande question sur le message du temps de la fin. C'est quoi? Nous allons définir le message du temps de la fin. Et nous allons donner des grands thèmes sur le message du temps de la fin. Les sept sceaux. Quelles sont les révélations? Et quel est le sceau qui n'a pas été révélé? Et pour quelle raison? Nous allons laisser le prophète parler. On pourra lire. Mais nous avons aussi des bandes ou des DVD. Vous l'entendrez dire. Nous allons aussi ressortir le mixage des enfants de William Branham. Comment ils ont rendu difficile la compréhension en enlevant six mots de l'enseignement de William Branham au paragraphe 309 de leur version. Ils n'étaient pas envoyés pour le faire. Nous allons parler aussi de la chute vertigineuse de l'évêque de Saint-Onel, Barout, l'an dernier, avant la fin. Il est tombé suite à cela. Il a dit rejeter le message. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et il a caché les CD. On va parler de ça. Nous parlerons aussi des enfants de Frère Brown. Comment ils ont rejeté le message sur le mariage et le divorce. Et tout le monde sera béni. Et
tous ceux qui accepteront, ils pourront expérimenter leur délivrance. C'est ce que nous avons toujours fait chaque fois qu'il y a conférence. À la première conférence, Dioka voulait qu'il soit invité, il a été invité. Placé ici devant lui, il n'a pas su comment lui rapprocher. Donc il n'a pas le droit de tromper les gens à côté. Ce ne sont même pas des prédicateurs. Seigneur vous bénisse. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. Le frère Ezekiel, votre mot de la fin par rapport à l'émission. Par rapport à l'émission, nous dirons ceci. Comme les saintes écritures le disent, vous recevrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, les gens sont libres. Ils sont stupéfaits devant le soi-disant église, surtout l'église catholique, l'église de prière, les églises de réveil. Mais pourtant, ce n'est pas l'église. Dieu est dans la continuité, il est dans son œuvre. Quand il partait, il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples. Celui qui vous recevra me reçoit. Comme l'année 1963, ce n'est pas la fin du ministère de faire. Le ministère continue par des gens intègres que Dieu a établis, qui n'ont comme cheval de bataille que ramener les gens à l'écriture. Quand on est fondé sur la parole divine, la parole écrite, sa foi est inébranlable. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont trouvé grâce devant Dieu, qui peuvent nous ramener, nous faire la démonstration à l'aide des écritures. Et non pas, par exemple, des choses comme le Saint-Tonnerre, la révélation du Saint-Tonnerre, des choses qui ne sont même pas écrites. Ça, c'est vraiment amener les gens à la perdition. Être ennemi de l'évangile. Être ennemi de la vérité. Il y a des gens, par la grâce de Dieu, que Dieu a établi, que ces gens viennent le 18 mars, la grande conférence aura lieu ici à Kinshasa, qu'ils viennent, les autres avec toutes les questions possibles, qu'ils soient de l'église primitive, de l'église des réveils, ils viennent parce que celui qui a la vérité n'a pas peur de débat, celui qui a la vérité n'a pas peur de démontrer ce qu'il a en public. Qu'ils viennent, c'est un moment approprié, un endroit indiqué maintenant, pour que tout le monde qui se prétend être de l'Église, qu'ils viennent et la démonstration sera faite. Et c'est à l'aide des Écritures, à l'aide des ministères authentiques que Dieu a établis, qu'on saura celui qui est faux et celui qui est vrai. L'apôtre Paul a dit, même le prophète, celui qui a de l'or pur. Là, le lieu de vente est là. Mais ne peut avoir peur que celui qui sait que son or n'est pas pur. Mais celui qui a de l'or, il se précipite, il est le premier, dit, venez acheter mon or. Parce qu'il sait qu'après les tests, on va accepter son or, on va l'acheter. C'est le moment, au lieu de tromper les gens avec les fausses doctrines, les fausses croyances, de venir attester. La conférence est ouverte à tout le monde. Que ces gens viennent. Et c'est aussi l'occasion d'être délivré. Comme j'ai dit au départ, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Tout passe, tout coule. C'est votre émission Point de vie. 38 minutes de vérité. Ici, des fois, nous parlons des choses qui blessent, mais c'est pour que la parole de Dieu puisse être triomphée. Si vous avez aimé l'émission, il faut appeler. Plus 243 89 00 60 149. Si vous êtes à Kinshasa, 089 00 60 149. 089 00 60 149. Nous remercions l'équipe technique, nous remercions les invités qui ont accepté de participer à l'émission de ce soir. Restez scotchés, je suis monté. J'ai dit merci à la plus grande équipe technique, à Papingina Mao, à Trésor Yala, à Jimmy Adjoki, à l'église primitive, notre église, l'église de la vérité. Nous avons continué vérité, soyez dérangés, oyez, par rapport à l'écriture, par rapport à l'iloba, oyez, péco, pé sa contradiction là, parce que la vérité ne dérange que les imbéciles. Restez scotché sur monté au programme de l'émission Point de vue. Ciao. Merci. Merci. Congo les panda. Congo les panda. Si tu es pas la mouka, Congo. Jimmy Adjoki. Azuli kanisi ya malamu puna kusepelisa Banambuka Kongo
Basali libango Congo li pandao